Salut à toutes et à tous, ici Calion. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de notre aventure sur Spyro 2 Gateway to Glimmer. Et aujourd'hui, nous allons faire le monde Oasis. Oasis is good, pour ceux qui revoient la référence. Voilà, je voulais la faire, maintenant je suis content, ma vie est belle. Et aujourd'hui, on va plutôt être dans un monde assez oriental, si je puis dire la chose comme elle est. Oula, j'ai fait un truc de PGM. Enfin, je crois que c'est Oasis qui s'appelle. Hein. Ah non, c'est Brasier, pas du tout. Oh putain. Comment paraître con en une leçon? Oasis, il est peut-être plus tard, je sais plus. Enfin bref, c'est Brasier. C'est pas Oasis, oubliez ce que je viens de dire, c'était nul. C'était inexistant, c'était pas ça. Bouh. Voilà. Du coup, on va faire Brasier qui est un monde assez oriental et je vais vous donner le tournis à faire ça, c'est sympa. C'est marrant à faire en plus, c'est genre, vous, en fait, vous mettez vous inclinez légèrement votre joystick de, en faisant des ronds. Et vous le faites après très très vite en faisant des ronds. Des cercles, pardon. Et du coup, vous allez tellement vite qu'il peut pas se déplacer en fait. Enfin là, il se déplace un peu, mais normalement, on le fait et il tourne sur place. Sauf que j'y arrive une fois sur deux. Parce que je vais trop vite. Voilà, comme ça. Et là, en fait, il fait la tornade et puis ça fait des chocs à pic. Bon, allez, on est parti. Brasier. J'adore ce monde, il est trop marrant. Et en fait, ce personnage-là que vous voyez devant vous, c'est une fille donc, lol, astuce un peu par contre, hein, donc soyez pas étonnés par son accent, elle parle comme ça. Et en fait, on la retrouvera dans Spyro 3 dans l'usine de feu d'artifice, bien plus tard dans le 3, ouais. Et bah en fait, ce sont deux agents secrets, enfin, frère et sœur, qui ont voulu choper une sucette, mais ces messieurs armés... d'épée de sabre assez pointue n'était pas de cet avis. Et du coup, c'est un peu la guéguerre. Il va falloir qu'on infiltre le réseau terroriste pour choper la sucette magique et restaurer la paix dans le monde. Voilà. Spyro, mon frère Handel et moi, nous avons été envoyés ici pour faire exploser ce château. Mais Handel s'est fait prendre par ces maudits soldats et je suis coincé ici. Tu débloques ces portes, je peux libérer Handel et nous accomplirons notre mission super secrète. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai parfois tendance à inventer des histoires un petit peu débiles, on va dire, sur certains mondes dans Spyro. Donc vous étonnez pas si la personne du monde dit une histoire totalement différente. Hein. C'est juste que moi, vu que j'ai une très grande imagination. Merde, c'est vrai qu'il faut les tuer. Pas me faire plaquer par cette créature, ma foi. Aussi, je sais le faire. Hein. Ouais, y'a pas que toi qui sais le faire. Hein. Wow. Bon, les crêpes. Et donc. Ah oui. C'est un mélange d'autruche, dromadaire et chameau, le mec. C'est assez. C'est assez incroyable. Et du coup, oui, parfois j'invente des histoires. Hein. Soyez pas étonné si la personne qui raconte l'histoire dans le jeu a dit un truc totalement différent. C'est juste que j'ai une grande imagination, donc n'ayez pas peur. Hein. Bon alors, faut retourner en haut, c'est vrai que je suis un peu débile. Sans où que ça se passe. Ah, je veux voir un truc. Oui, ça c'est bien ça. Attendez. Voilà, moi je m'amusais tout le temps, hein. Je le fais tout le temps. Regardez. On peut pas fuguer en fait. On fait en fait on va finir en tapis. Petite carpette de dragon. Ça m'a toujours fait marrer de faire ça. Cherchez pas pourquoi, c'est des trucs de gosse qui restent et puis voilà. Donc en fait faut juste activer l'interrupteur, ça monte le drapeau et ça ouvre la porte suivante pour aller à l'endroit qui suit. Voilà, tout simplement. Alors on va avoir un mini-jeu avec des cocotiers. Non, des palmiers, pas des cocotiers. Quoique en fait. Je ne sais plus. Et en fait, va falloir empêcher les Ouistiti de nous attaquer en fait. Ah, mais faut que je vous montre cette... Ah bah voilà, il est en haut avec chasseur. Voilà.
Ça c'est une référence à Spyro 1, parce qu'à la fin de Spyro 1 il y avait des crapauds tireurs d'élite et même des crapauds qui tiraient à la mitrailleuse. C'était sympa. Regardez la dégaine. Le mec il est un peu vénère en fait. Bonjour. Donc c'est un monde que j'aime beaucoup. Enfin, comme je l'ai dit en fait, à force d'avoir joué à Spyro 1, 2, 3, les mondes éventuellement que je n'apprécie pas, j'ai appris à les apprécier, du coup je les adore tous. Bon après c'est vrai que j'ai des préférences plus ou moins importantes, ça dépendra surtout du jeu en fait. Mais sinon j'aime beaucoup tous les niveaux à force d'y avoir joué. Hein. À force d'avoir fait des speedruns, à force d'avoir fait des let's play, à force d'avoir joué de mon côté tout seul. Enfin, oui. Depuis 98, 19 et 2000, j'ai eu le temps d'apprécier les niveaux à force d'y jouer, on va dire. Donc, c'est vrai que, à force, l'habitude prend le dessus. Et de ce fait, j'ai plus vraiment de niveaux que je déteste. Coucou. Coucou. Bon, alors, on va parler à chasseur, on va faire ce mini-jeu. Les singes se sont échappés du zoo d'Avalar, et j'ai pour mission de les rattraper. Mais n'arrête pas de me lancer des doigts de coco, et je te jure que ça fait mal! Tu peux me donner un coup de main? Bien sûr! Ouais, il va falloir faire tomber les Ouistiti dans... Merde. Dans les... Voilà. Dans les tonneaux, voilà. Bon, c'est vraiment pas dur. Hein. Il nous balance des noix de coco, c'est saligo. Allez, viens, come on, babe, come on! En fait, faut foncer sur l'arbre au dernier moment, parce que sinon, on va se prendre une noix de coco et c'est pas la joie, quoi. Genre comme ceci. Là, ils vont nous en balancer une. Vous voyez, c'est programmé pour qu'on se la prenne là où on fonce. Mais le truc, c'est qu'il faut y aller au dernier moment, comme ça. Hop. Et voilà. Parce que sinon, c'est un peu dur et on perd toute nos vies sur les 6, quoi. Mais pour ton aide, Spyro. Et prends ceci. C'est un des singes qui l'avait. Donc on a notre première boule. Alors ce monde est vraiment très court, je trouve, comparé aux autres. Il n'est pas forcément très très long. Donc ça, ce sera après. Mince. Ah ouais, là, je peux le faire super loin, en vrai. Ça me fait trop triper, sérieux. Coucou. Oui, on peut leur rentrer dedans, c'est vrai. Quoi, je l'ai pas eu. Really? Ah, il a un fusil. Il a un gros calibre. Bonjour. Du coup, où est-ce qu'on va? On va aller par là. Oh putain, j'ai esquivé de plus celui-là. Coucou. Coucou. Hein? Ah oui, on peut pas l'avoir. On va choper ces joyaux, il va y avoir une mini phase de plateforme, après un peu plus tard, en hauteur on va dire. Ah bah merci. Ah c'est très gentil à toi mec. Ah tu me facilites la tâche, mais tu n'as pas idée. Et Nikuli Makuli, comme disait le grand prêtre japonais. Bouddhiste pardon. Prêtre, lol. Du coup, on va avoir aussi une fusée, enfin je sais plus si c'est une fusée qu'on... envoie sur le coffre, ou si c'est le pouvoir de cracher des boules de feu dans ce monde là, je ne sais plus du tout. Par contre, vous m'en excuserez. Alors, je sais que là, à chaque fois, on passe. Enfin, moi, quand j'étais petit, c'était ça. On passe, on fait tout ça, et à la fin, ah bah mince, il manque des joyaux. Bah, comment on fait? Bah, en fait, il y a un chemin ici. Enfin, c'est de l'autre côté en fait, mais voilà. Là, un tourbillon et ça mène en haut, c'est incroyable quand même, c'est Amazing Place. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, personnellement, je n'avais jamais fait gaffe ici. Et alors, quand je cherchais les joyaux, je m'arrêtais même pas sur le pont. Je continuais, je faisais même pas gaffe à ce qu'il y avait en dessous. Donc du coup, il m'en manquait quand même pas mal, enfin une cinquantaine. Ah non, même plus que ça en fait, oui. Beaucoup. Par contre, on se casse. YOLO, j'ai pas vu le feu d'artifice. C'est pas grave. Ça arrive au meilleur, sauf que je suis très rarement le meilleur, du coup ça m'arrive tout le temps, même sans l'être. Voilà. T'es où?
Il me nargue, hein. Genre, il est en train de secouer la tête de gauche à droite parce que, hein, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Oups. Voilà. Donc, en fait, c'était avec une boule de feu. Donc, de ce fait, on va retourner ici. Allez. C'est vrai que ce monde est relativement court par rapport aux autres. Enfin, je trouve. Allez, esquive! Bonjour. Tu sais, ça fait genre, tu vas périr de ma main. Alors, il nous en manque plus beaucoup en fait. Yolo. Et on va retrouver forcément le frère de l'agent secrète. Il est tout en haut d'ailleurs. Eh oui. Vas-y, tire. Tire si t'es un homme. Tire. Bah voilà. Tu vois quand tu veux. Hop, coucou. On va lui parler quand même. Firo, tu es un agent franchement sans face. Grâce à toi, Endel et moi pouvons accomplir notre mission. Oh, et plus ce talisman. Je l'ai dérobé aux soldats. Merci ma chère, trop de compliments. Et en plus tu m'offres un talisman. D'ailleurs il est magnifique ce scarabée. Enfin moi je considère que c'est un scarabée. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Mais c'est vrai que les talismans sont super beaux. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'ils les aient retirés dans le 3. Ça, c'était une idée qu'ils auraient pu tellement garder, quoi. C'est dommage, ouais. Moi, en tout cas, j'étais émerveillé par la beauté des talismans, quoi. Hé, Piro, nous avons besoin de ces drapeaux pour prouver que notre mission a été couronnée de succès. Mais le gardien nous les reprend à chaque fois. Si tu pouvais nous en débarrasser. Mon décodeur secret m'informe que la ressource devrait t'aider. Donc en fait, on va faire le gardien de la paix, hein. Merci pour ceux qui ont compris la référence. Bon alors, en gros, il y a un monsieur, il est chiant, hein. Voilà, il est super chiant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord récupérer tous les joyaux qui sont d'ailleurs... faut que je me dépêche parce que sinon je vais pas l'avoir en réalité. Ça, c'est un peu relou. Alors... Et après on n'aura plus de joyaux récupérés, ce sera une chose à moins en fait, à faire en moins. En moins à faire. C'est vrai que ça se dit aussi, mais... On va dire que dans ma tête j'ai un peu bugué. Donc du coup on va devoir dégommer un espèce de méchant qui nous fait remonter les drapeaux, tout... enfin qui nous redescend les drapeaux je crois. Voilà il est là-bas. Vous voyez? Enfin... Là-bas. Il est super chiant. Et du coup faut le dégommer. Grâce à la super recharge de souffle. Et ce sera d'ailleurs le deuxième mini-jeu de ce monde qui nous permettra d'avoir la dernière boule parce que je crois qu'il nous reste que ça. Pas du tout. LOL. Bon. Alors il me manque des joyaux. J'ai l'air trop malin en vrai. Hein. C'est incroyable. Alors il est où? Mince, il est où? J'ai perdu de vue. Ah, je suis con. Oui, oui, je suis con. Tac. Voilà. Logiquement, il est perché quelque part. Derrière, voilà. Ah, putain, je suis trop loin. Hop. Feu. Hein? Pourquoi ça veut pas? Bon écoutez, on va se rapprocher, ce sera plus simple parce que j'ai l'impression que c'est surtout un problème d'hitbox. Je pensais que je pouvais avoir tout d'ici, mais apparemment non. Donc de ce fait, il m'a vénère et ça va chier les bulles carry. Et puis voilà. Aïe. En fait, j'ai pas mal, mais bon. Mais laisse-moi. Let's go! Kikou! Coucou. Alors, Dragon, tu veux vraiment t'emparer de ces drapeaux, hein? Voyons voir qui est le plus fort à ces jeux. Donc en fait, faut le suivre, je crois. C'est très simple. Bravo! Mais il reste encore
Ah non, je suis bête. Il faut que je reprenne la... la recharge pour le faire tomber. D'ailleurs, je sais même pas si c'est nous qui le faisons tomber ou pas. Alors, c'est la fête. Rushing, rushing. Ouais. Si. On va aller par là. Alors, où est-il ce monsieur couscous? Tiens, je vais l'appeler comme ça, monsieur couscous. Bon, ça fait très stéréotype, mais bon. Monsieur couscous, c'est l'heure. Et ici. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bonjour. Tu n'en as pas encore? Non. Allez, allons bien. Alors là, c'est plus dur quand même, hein. Je vous cache pas. En fait, il y a juste à aller en ligne droite et c'est bon. MDR. Olé, je suis trop fort. Olé. Aïe. Et de deux. Tu y es presque, Spiro. Allez, un dernier effort. Oui, monsieur, je vais y arriver. Je suis l'élu. Lol. Allez, cette fois, on va passer par là. Ah bah, je me suis raté, comme ça, c'est fait. Hop. Bonjour. Tiens, mange. Eh, c'est le but. Ah, c'est en haut. Ouais, suis-je bête. Je ne céderai pas mon dernier drapeau si facilement, petit monstre. Gna 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 gna. Avant, c'était toi. C'est l'heure du duel. Lol. Bon, c'est vraiment pas dur. Hein. Yo. Zigzag. En fait, faut le feinter. Non, en fait, c'est scripté. Hein, mais... Oh le. J'ai balancé le serpent dessus, c'était énorme. En fait, je sais même pas si on a le droit de se faire toucher en vrai. Je sais absolument pas. Bref, c'était facile. Mission accomplie avant Spiro. Comment pouvons-nous te récompenser? Veux-tu cette boule que j'ai trouvée dans le sable? Oui, je veux cette boule. Donne-moi ta boule. Alors, maintenant, on va récupérer les jouets qui nous restent. Je les avais repérés. Attendez, il nous en reste 9 normalement. Affirmatif. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber. Je me disais, oh non, mais je suis maudit. Mais c'est pas vrai. Alors, ils sont à la fin de ce mini-jeu de Mistiti. C'est genre, attention Mistiti, si tu les fais tomber, t'as perdu. Voilà. Par contre, il va falloir refaire le tour. Et du coup, on a terminé le niveau de Brasier. Et non, ce n'était pas Oasis Is Good, c'était Brasier. Donc vous avez le droit de m'insulter. Et puis voilà. Donc c'est un monde sympa, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup tous les mondes de Spyro en fait. Après, il y en a que j'affectionne plus que d'autres. Mais sinon, globalement, je les apprécie tous. Donc en fait, ils ont des super pouvoirs et c'est incroyable, ils balancent des boules de feu. C'est du jamais vu, Amazing Place des enfants, pas comme les autres. Et le prochain monde que nous allons faire, c'est l'un de mes vraiment de mes préférés du jeu. Il s'appelle... Non, je dis quoi, on va pas le faire. Colline de Faille. Qui est juste énorme avec des... je crois que c'est des centaures ou des faunes, je sais absolument plus. Non, des faunes peut-être. Qui font de la cornemuse, c'est énormissime. Dans des collines. Dans le noir. Enfin, dans le noir. Pff, la nuit. Putain, n'importe quoi. La fatigue, c'est pas grave. Et donc, ouais, c'est un de mes mondes préférés. Je pense que c'est l'un des mondes préférés de beaucoup de gens, je suppose. Hein. C'est vrai que c'est un monde vraiment magnifique. Et un petit peu dur, mine de rien, avec la supercharge qu'il y aura dedans.
Disons que le parcours à mémoriser est pas super simple. On aura besoin du plongeon corne que l'on récupérera, qu'on ira récupérer dans la toundra hivernale. Mon dieu, j'arrive plus à parler. Et écoutez, ce sera tout pour cet épisode numéro 13. Ah, c'était le numéro 13 ou 12? Non, 13, je crois. Non, ouais, 13 de notre aventure sur Spyro 2 Gateway to Glimmer. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et au prochain épisode dans lequel nous ferons les collines de faille. Et puis voilà. Allez, salut!